Je suis, j'ai la conscience complètement tranquille. Je serai encore, je ferai une campagne avec beaucoup plus d'acharnement. Mais écoutez, ce n'est évidemment pas une surprise. Nous y attendions. Elles sont conformes aux réquisitions du ministère public. Je note que nous avons obtenu toute une série de relax, vous l'avez également certainement entendu comme moi, à savoir notamment en ce qui concerne la destruction de preuves, en ce qui concerne une partie des faits relatifs à nos électroniques, et en ce qui concerne toute une série de faits relatifs au trafic d'influence reproché. Ce que j'arrive difficilement à comprendre, c'est les raisons pour lesquelles il me semble qu'il ne soit tenu aucun compte de ces relax dans le quantum de la peine. Bien évidemment, nous nous réservons la possibilité de relever appel. Ce n'est plus qu'une possibilité, c'est une certitude. Est-ce que M. Floss envisage de modifier ses ambitions politiques en fonction de cette condamnation ? Certainement pas. Certainement pas. En l'état, c'est presque un non-événement politique. Vous estimez que c'est un non-événement politique ? Je l'espère pour lui. Je l'espère pour la population. Pas être condamné, c'est pas rien quand même. C'est une première instance. C'est une première instance. C'est suspensif. Et je pense que nos arguments avaient au moins autant de bien fondés que ceux du parquet, de sorte que nul doute que devant la cour d'appel, litière sera fait de tout cela. Alors justement, un petit mot sur le calendrier judiciaire que vous attendez, vous, en appel, en cassation, jusqu'où ça peut nous emmener ? Raisonnablement, je pense, difficile que l'affaire soit évoquée devant la cour d'appel avant le mois de septembre 2013. De sorte que le délibéré devant le grand juge, j'imagine, clairement en novembre 2013, le délai pour la cassation, pour que celui-ci, du moins, soit prolongé, nous amènerait facilement en juin 2014, si ce n'est pas. Votre client attend un arrêt de la cour d'appel pour le mois prochain dans le dossier dit des emplois fictifs, vous êtes confiant ? Vous êtes bien informé. Oui, je suis confiant, je suis raisonnablement confiant. Vous avez assisté au débat et vous avez pu constater comme moi qu'il y avait beaucoup de littérature dans les cours suites.